Le numéro 39, une fille de gris, grise, comme son père. C'est la nièce de Vensombre, on a parlé de ce pédigré tout à l'heure. Et là, on retrouve les femelles âgées, hein, donc des modèles plus imposants, bien sûr, parce qu'elles sont nées beaucoup plus tôt. En l'occurrence, c'est le numéro 39, joli doux, c'est né le 6 février. La mère, c'est Aigre-Douce, hein, comme la sauce, et c'est la sœur de Vensombre, gagnant du grand steeplechase d'Orléans et du 128e Grand Prix de Pau. Ah oui, on la remet dans le bon sens, ou dans l'autre sens, en tout cas. Et puis après, on va pouvoir marcher. Alors, la deuxième mère, Odrock, a fait Vensombre. Et elle a fait aussi une autre gagnante qui est Épine Noire, non pas Épine Droite. Hein. Il y a un petit bug dans le catalogue. C'est Épine Noire, elle s'appelle la femelle d'Axos. Allez, on peut marcher. Qui a gagné à Royan en plat et aussi deux fois en obstacle, notamment sur le, dans le prix de la ville de Tours. Je ne vous ai pas encore parlé des Grèves de Loire, hein, qui a été une très très bonne jument, une network gagnante du prix Hubert Daguerre. Et donc, on retrouve cette famille. Pour ceux qui n'étaient pas là, la famille qui s'est illustrée un obstacle chez Luc Bellet. Souvenez-vous, Luc Bellet, la grande époque des années 80-90 en France, avant son accident, qui a mis un terme à sa carrière. Luc Bellet, c'était Patarouzel, c'était Ribera, c'était Dera, Zenef, toute cette famille a gagné en cross dans de très très bonnes épreuves, qui ne sont pas Black Tights, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, et de toute façon en cross il n'y avait pas Black Tights, à Pau, au Lemanger et à Cran. Mais c'était des chevaux très très grands. Au trot. Lâchez la bête. Allez, on va lâcher le fauve. Attention à vous. Allez, et on est parti. Il faut toujours faire attention quand les fauves partent au trot, parce que de temps en temps, ils ont tendance à décocher une flèche. Tendance à décocher une flèche. Et donc voici cette fille de Gris de Gris, l'un des derniers pensionnaires de l'IFCE, qui est désormais à revenir. Confirmé, un fils de Stickley, il était le premier fils de Stickley à faire la monte. Il écrit comme son éleveur.